Hey, salut les gens, c'est Sam, on se retrouve avec toute la clique Broudaf, Ardarine, le Cygne Noir qui se dépatouille de ses prétendants rebelles. C'est sur EU4, on est en 1548, salut tout le monde. Salut, salut tout le monde. Coucou. Bon, alors, vous avez raté en off, hein. J'ai demandé au Cygne et à Broudaf si vous voulez bien m'accompagner dans la guerre contre le Portugal. Au lieu du pape. Et le Cygne était d'accord, en partant tout de suite, direct. Je vois ça. Ardarine, c'est toi qui relâchera la pause quand tu seras ok. Je suis ok, j'ai déjà fait une petite paix avec l'empereur, pour lui piquer de l'argent. Là, on va faire une grosse paix avec la Bohème. Je vais me coller à sa capitale. On y va. Comme ça, prochaine guerre contre le Bohémien. Je défonce. Déjà là, il va prendre bien tarif. Je fais une guerre à 100%. J'ai... petite coa avec la Saxe, la Bohème et la Moscovie, autant dire personne. Et là, on se met bien, on se met très très bien. J'ai 2452 thunes. On va pouvoir bientôt passer un monument au niveau 2. Il y a encore des prétendants qui sont quelque part apparus. Putain, ils sont où? La cardinal ministre, c'est très bien ça. Moi, j'ai un peu peur que les états pontificaux rentrent dans la coalition si je les attaque pas immédiatement. C'est parti. Et là, tout le monde vient. Scandinavie, Portugal, vous pourriez lancer une attaque tout de suite ou pas? Contre combien de forces? Contre 100 000 hommes. C'est un peu short. Je vais pas te le cacher. L'idée, c'est pas forcément de gagner tout de suite. C'est que si on la lance pas tout de suite, les états pontificaux peuvent rentrer dans la coalition contre moi, auquel cas elle ne sera pas lancée avant longtemps, auquel cas on va rester excommunié longtemps, ce qui embête aussi l'ordre teutonique. Mais t'as des thunes à filer pour que je prenne une armée de Merco. Ouais, parce que moi il me reste 20 000 hommes sur le champ de bataille, dont 20 000 à remettre, enfin 20 000 qui doivent rejoindre. Et il me reste 20 000 de réserve, donc en gros je suis à flux tendu. On laisse tomber et on verra si oui ou non. Hongrie a rejoint la coalition se forme. Donc on verra à quel moment on pourra faire. Moi je suis en Afrique là, donc je peux pas arriver tout de suite. Hop là. Ah, du clip du sang, voilà, c'est ça que je voulais. Merci. La Perse a rejoint la coalition contre moi. Il est même possible qu'elle pète. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ah. Alors, Opole, imposer la religion. Moravie, imposer la religion. Tout de suite, aller regarder si on peut sortir des gens de la Coa. La Provence est sortie de la Coa. Améliorer avec la Hongrie. Là, je peux pas la sortir, la Hongrie, c'est pas la peine. La Perse, à mon avis, c'est pas possible non plus. Par contre, Khorasan devrait pas rejoindre, je vais quand même lui filer un petit coup d'amélioration. Allez. La dernière, normalement. En même temps, ils sont pas tant que ça dans la cour. Hein. Ouais, mais il va y avoir tous les Africains là, à la fin de ma guerre. La guerre du compte est terminée. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant, faut qu'on dégage notre suite de guerre. Alors moi, il me manque 18 000 hommes dans mes troupes, ça fait beaucoup. J'ai l'impression qu'il me manque des troupes. Ah oui, clairement. Allez, bon. Piètres uniformes, morale terrestre, moins 5. Ah, c'est vrai que j'ai eu ça aussi. C'est vrai que c'est pour ça que... mais j'ai une troupe là qui sert à rien. J'avais 30 000 hommes qui glandaient ailleurs. On s'étonne que ma vie soit dure. Alors, est-ce que j'augmente Cracovie? Alors, qu'est-ce que ça donne? État pontifico a rejoint la coalition. Tout le monde devrait se casser la gueule normalement là. Est-ce que j'augmente Tracaille? Ouais, c'est bon. Perte de stade ou perte de puissance, c'est bon. Oh punaise, corruption dans l'armée, moins 10 de tradition terrestre, ils me les enchaînent. Hein. Je vais payer pour une fois parce que être à 1 de stabilité, c'est correct. Mais être à 0 de stabilité, on risque de se prendre certains événements. C'est vraiment pas bon. Ouais, tu me fais penser que moi aussi je suis à 0 et que la reine va mourir en plus. J'ai pas les points. Faut qu'on investisse dans les sous là. Vite. Allez, petite revendication sur sa capitale. Je viens de taxer deux provinces à la Bohème, une de 25 et une de 34. Mmh. Ça va faire du bien à son économie et une autre à 16. Et tu cibles Prague là du coup? Oui. Oui, parce qu'il y a un bâtiment qui peut me faire gagner plus 1 d'influence annuelle sur le pape.
Ah, je sais, je le ciblais aussi, mais je crois que tu l'auras largement avant moi. Ouais, vu que bon, je peux pas attaquer en Europe. On va relancer un petit entraînement en tant qu'à faire. Hein. C'est de la conversion, c'est parfait. Ça va être chaud là. Est-ce que je vais pouvoir tenir? T'es qui toi? Le Vinland. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, ça par contre c'est bon ça. Je crois que t'arrives un peu après la guerre, mec, mais bon, c'est pas grave. On va aller là. La traite avec l'Autriche. Il a lancé la construction d'un château, mais quel bouffon. Vous pouvez pas me laisser convertir sa capitale. Allez, allez. 25 000 de plus, go. Dès que son château est fini, je vais pouvoir défoncer un centre de la un foyer de la réforme protestante. Ça vous fera du bien. Bon, on a des revendications, mais c'est que du côté du teuton, ça nous aide pas. N'est-ce pas? Attaque la France. Fais-lui relâcher la Bretagne, vassalise la Bretagne. Indépendance garantie par Balster, allié à Bourgogne. Tu peux pas t'étendre en Europe avec des vassalisations? Bah si si, ça fait très longtemps que j'ai Verden comme vassal, justement, dans cette optique-là. Sauf que j'ai été un petit peu occupé. Et que bah du coup, au sens propre comme au sens figuré. Ça passe tranquillement quoi, on va dire. Ah, Adal, toujours pas, hein. Tant que je n'irai pas sur sa capitale. Tiens, c'est pas grave, on attaque quand même. Il n'ose pas venir, ah d'accord. Il y a 16 000 Éthiopiens qui attaquent mes 12 000 hommes, je fais demi-tour, mais lui aussi. Ok. Double bluff. On fait quoi du coup? C'est un double bluff. Hop, on désarme les forteresses un coup. J'en ai 5. Toujours pas la dalle? Oui, 5 avec ça. Yes! Ouais, c'est sympa le système de tes provinces, vu que j'ai pas pu t'aider à défoncer les armées de rebelles en tant que telles. Je les avais complètement oubliés, tu vois. T'es bien urbain. J'étais en train de me dire justement, je dézoome et je vois un truc assiégé. Merci Baku. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? De la merde. Pff, nos unités ont subi des pertes. Oui, mais on va bientôt s'en tirer. Alors, Italie à Brunswick et Saxe, Poméranie a été averti par Bohème qui peut donc intervenir sur une guerre d'agression contre les provoquer. Brunswick était à Francfort, Magdebourg, Mecklenburg, Oldenburg, Saxe, Würzburg. Ah, est-ce que tu vas... Le défenseur de la flotte côtière qui protégera Brunswick. Oh! What the fuck? Tu te fais embarquer dans la guerre des ligues ou un truc du style? Ouais, non. C'est allié à un protestant quand même. Hein. Mais oui, parce qu'il s'est fait convertir de force. C'est un peu la honte quand même. Qu'est-ce que tu fous de ce côté-là? Bah surtout, comment ça se fait que du coup tu rejoins en tant que défenseur de la flotte? Non, c'est pas la guerre des ligues. C'est pas la guerre d'élite, c'est juste le mec, il a déclaré une guerre et en face, c'est. Il y a trop de gens, quoi, il y a trop de gens, il est en guerre contre. Juste Mecklenburg. Bon, bah, je l'accepte, hein. 28. Et là, je vais arriver et en fait, il y aura 20 milliards de gens. Ah. Bon, en vrai, ça se passe bien. Brunswick, Saxe, Thuringe. Je suis même pas sûr que je vais avoir besoin d'intervenir. Est-ce que j'ai perdu mon statut de protecteur de la foi ou pas? Même pas. Rien à foutre. Allez hop. Ouais, on est en guerre contre 3 fois rien. Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent se faire convertir dans l'eau? Oui. Sortez donc, mais tu diriges pas la guerre. Non, je dirige pas la guerre. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que j'y aille. Sauf si on croise des armées ennemies, si auquel cas ça pourrait me faire du. Des du batailles et des traits sur tes généraux. Oh, bah ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut là, j'ai passé cette mission là. Maintenant, professionnalisme hein. Tu veux dire de la tradition? Oui, de la tradition, oui. C'est quand tu as des pertes humaines que tu gagnes de la tradition, principalement. Ouais, bah, moi j'ai tendance à un peu à stack-wiper les adversaires. Les pertes humaines, j'en ai pas beaucoup. Du coup, il va nous falloir un coup. Bon, on se redresse un peu. Et j'ai bientôt mon Deus Vult. Mais je pense que la Poméranie, une fois qu'elle aura fini sa guerre, je vais rompre l'alliance avec elle. Elle est bien gentille, mais elle fait chier.
Pourquoi t'as gardé une alliance avec une Poméranie? Parce qu'en fait, il a 15 000 hommes et que c'était quand même plus utile que le Danois. Ouais, moi, j'attends que ça pète, parce que comme ça, je pourrais aller la bouffer, la Poméranie. J'ai des casus belli sur toute la Poméranie. Ah, déjà, là, je vois 15 000 à la 10 000. Je vois des troupes ennemies en bas. Allons leur botter les fesses. En plus, ce sont de sales hérétiques. Mais quand est-ce que tu t'occupes de la Moscovie? Dès que la trêve finit, c'est-à-dire l'année prochaine. Oh, sale pète pape. Pape a confirmé nos droits sur les colonies des Caraïbes. Et bim! C'est cela, oui. Saleté de pape. C'est normal. On n'a pas attaqué les états pontificaux tout de suite. Je t'avais prévenu que c'était à moi. Ah là, pour le coup, hein. C'est prévisible. Et pourtant, du coup, je vais en profiter bien avant. Pour vous intercaler un petit truc qui est dans le bêtisier. Ah. Ah bon. À voir à la fin, pendant le débrief avec Boudef. J'ai toujours trop de généraux, moi. 4 sur 3, effectivement. Bah lui, il va virer. Hop là. Bah, bravo, de toute façon, je vais en faire d'autres. Que j'ai besoin d'un ça commence déjà à licencier. Et on Adal, peut tu te casses. Et oui, tu te casses. Ici. Gênes a rejoint la coalition. Toi, tu viens là. C'est la grosse coa. Et elle va pas s'arranger, à mon avis. Bon, depuis le temps, notre pauvre troupe avait un petit peu perdu leur capacité d'entraînement, on va dire. Ah, Simian, c'est un fort, c'est ça? 817 pour améliorer nos bateaux. Ouf. Ça va se sentir passer. Hop là, ici. Hop, pays outragé. Bon, j'ai plus qu'une province à convertir. Quand est-ce qu'il finit son château? Du 30 septembre 50. Ah là là. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, l'Éthiopien, avec 17 000 hommes? N'importe quoi. C'est fini pour mon âge d'or. Croissance de l'industrie typographique. Et c'est arrivé à... en Suisse. Et Bourg, en Suisse. Yes! Alors ça, même dans mes rêves les plus fous, ça n'arrivait pas en Suisse. Bon, ça devrait pouvoir me laisser le leadership, du coup. La Moscovie. Là, les ennemis, ils peuvent se débrouiller sans nous. Pour le coup, s'il y a besoin, je viens pour la Moscovie. Hein. Je suis refait, ça y est. Là. Avec plaisir, parce donc, que il est chiant. J'ai pas eu le temps de faire ma propre guerre, du coup, depuis la dernière fois. Donc, on va lancer là. Ouais, 30 secondes, je déplace mes armées déjà. Hein. Oh, oui, non, mais c'est pour savoir justement. Donc, dans ce cas-là, je déplace la mienne aussi, c'est tout, justement. Ah oui, oui, là, tu peux. Hein. Bon, bah, non! On va vous emmener, vous faites ça. Il rejette la République. Pourquoi ils rejettent la République, les nobles? Les nobles, ils rejettent la République, ils ont le droit de rejeter quelque chose. Offre d'alliance de la part de Castille, mais la bonne idée. C'est vous qui voyez, il y en a quoi? Je suis allié au Portugal et tout. À quel moment elle se dit, tiens, je vais demander une alliance? T'es pas dans la merde si t'acceptes. Non, mais oui, je vois même pas le concept, quoi. Je vais lui dire, ok, j'accepte, mais tu me files tes colonies. Est-ce que je peux vassaliser la Castille? Ça, ce serait bon, ça. Non. Elle est trop grosse pour être vassalisée. Ouais, elle est trop grosse, ouais. Dommage. La capacité de gouvernance. Ah oui, je devais chercher où était la Galicie. C'est ça, la Galicie? Mais je vais pas en faire un état. Enfin. Et la Mazovie à 30 points ou la Crimée à 38, tout ça va finir en charte. Ah, t'as rivalisé la France carrément? Non, c'est la France qui m'a rivalisé. Bah, du coup. Allez! Ça va, ils sont tranquilles à Bergame. Déclarer la guerre.
reconquête pour Astrakhan. Okay, je suis besoin de Tambov plutôt, si Tambov. Allez, j'appelle la Scandinavie et c'est parti. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors, ça, on va dire que c'est la grande en ordre qui va aller chercher. Ça aussi, ça aussi. Est-ce que j'ai pas enlevé la pause? J'ai pas enlevé la pause comme un gros malin. C'est très long, très très long. Bon, bah la France va faire ça, c'est pas grave. Comme mon épée, comme toujours. Oui, on prend ça, ouais. Hop. Tant pis pour la tech, c'est bon, dommage. Bon, bah j'ai eu le temps de débarquer, du coup je vais aller à Bergame. On m'a prévenu qu'il y avait des nobles qui allaient se revêter à Bergame, c'était genre il y a un an et demi, hein, j'ai laissé le pop-up. J'ai eu le temps de ramener une armée d'Ethiopie quand même, hein, pour les affronter. Votre plus naturel. Je crois que ça popait forcément au bout de 3 mois. Ouais, bah c'est peut-être eu le temps de ramener d'Ethiopie en 3 mois aussi en même temps. Ah, les particularistes moscovites qui étaient bloqués en Moscovie, qui du coup sortent se précipiter... Ouais, j'ai vu ça et j'ai même pas réussi à les intercepter, ils ont réussi, ils vont plus vite que moi. Tradition navale mise à mal. Je perds 20 en tradition navale, je prends 10 en terrestre, bah oui. Hop, fin du siège de Moscou. Non, Mouron. Bien, l'Ethiopie. On peut toujours pas faire de paix avec elle. J'ai même pas regardé, il a combien de troupes le moscovite là ? 21k. Ouais, ok, ça va. Je viens déjà de lui mettre une baffe, donc il lui a pu en rester autant. Ouais, et on va aller chase, il doit finir en Astrakhan à tous les coups, on va aller le défoncer. Est-ce qu'il y a des provinces séparatistes que je pourrais calmer? C'est quoi cette province là? Ah, il y a Berlin. Berlin n'aime pas son sort, mais qu'est-ce que... Depuis quand il a... Il a voix parce au chapitre. Je suis en train de le convertir, alors il tire la gueule. Ah. Régente est morte. Vive la régente. Alliance de la part de Bourgogne. Non mais faut arrêter là, tous les pouilleux de la terre qui veulent s'allier là. C'est ouf ça. Merci. Est-ce que la Bourgogne t'accepterait une vassalisation? T'es trop gros toi aussi. Ouais. Du coup ça te file du prestige, Lan, donc après toi aussi tu peux me prendre des cartes. Ouais, je suis en positif profit si tu veux. Non, c'est à toi de les proposer, je peux pas te demander des cartes, enfin je trouve pas en tout cas. Ça marche. Non, tu peux pas, ouais, lui donner. Tu peux pas lui donner des cartes. C'est pas possible. Je vais te demander du coup, Portugal. Je sais pas si je peux demander pendant que je suis en guerre, si. Si. Après faut que je sois à portée, mais. Tu refuserais, apparemment. Bah je t'ai dit, le Portugal refuse toujours de toute façon. C'est marqué que tu vas refuser, mais je te demande quand même, on sait jamais. Bah oui. Portugal, il refuse toujours les cartes. Bah non, j'en ai même filé aux Français en Amérique du Nord. Salaud. Gratos ça. La vache. Si c'est pas de la générosité ça. Eh, franchement maintenant c'est l'Aragon qui me demande une alliance. Je me demande si je vais pas les faire ces alliances. Ah non mais attends, c'est pas dans cet épisode là que je vais filer aux Français. C'était il y a une dizaine d'épisodes. Hein. Ouais je sais, t'en avais parlé déjà. Un conflit avec le l'ordre teutonique là. Que je défonce la Moscovie. T'as mis un marchand au même endroit que moi. Ouais, où est-ce que j'ai mis un marchand au même endroit que toi? Où est-ce que toi t'as mis un marchand au même endroit que moi? Parce que moi je suis à Cracovie, à Kiev. Ben voilà. Un marchand à Kiev, ça te ramène pas du tout chez toi. Il y a des marchands partout. Mais non, mais c'est pour faire les... J'en ai partout, c'est pour avoir plus 10%. J'ai pas le choix. Quoi, j'ai que 28% de score de guerre? Ah ouais, tu m'étonnes que ça passe pas. Pourquoi j'ai que 28 contre lui? Il est reparti là-haut. Sérieux? Ben je redescends. Non, je peux pas déclarer la guerre en conseil de régence. Bah non. C'est fini. Bon bah je crois que c'est la fin de la guerre. Mais quand je vais déclarer la guerre aux états pontificaux, tu pourras prendre ta part. Bah ouais, mais je voudrais profiter pour faire ma petite guerre en Afrique, mais Afrique de l'Ouest, là, bouffer Tambouctou. Ouais, ça c'est mort. Bah tant pis, hein, je vais arrêter de payer l'armée. En même temps, je vais pas pouvoir déclarer la guerre hein, aux états pontificaux.
puisque j'ai le Mamelouk qui sort de dans 2 ans. Mm-hmm. Donc je dois me faire le Mamelouk dans 2 ans. Un de stab en bohème. C'est bon. C'est la bohème qui l'a eu, c'est bon. Même pas moi. Ok. Bon, là on est bon. Oh putain, c'est que ça. Tu veux que je fasse une paix séparée pour qu'on mutualise? Ouais, vaudrait mieux qu'on fasse une paix séparée parce que. Oh la vache, j'avoue, il accepte rien quoi. Voilà. J'ai que 33%. Attends, tu peux lui prendre quoi si tu fais la paix maintenant? Alors, je peux prendre Sold Galista de Kaya, qui était à moi, je crois, de mémoire. Alors, 5,6. Le petite merde qui est entre nous deux, là. Et 3 provinces vers la droite, là. Vous êtes partagé un état? Viatka, Utswim, Utschicholik. 67. Tu peux prendre un truc de plus que moi. Bon bah je fais une paix séparée alors. Putain. Par contre derrière faudrait que tu refasses tes sièges. Bon, c'est pas grave, j'ai toutes mes troupes dans le coin, ça va vite. Je vais essayer d'aller... Est-ce que je peux aller me coller là pour faire de la colonisation? Je vais essayer quand même, voir. J'en doute. Ouais, ça passe pas. Alors, plein de gens qui demandent des droits de passage, bah allez-y, prenez. Hein. Alors attends, pourquoi... C'est trop. Attends... Il veut plus là, qu'est-ce qui se passe? 38, c'est bon. Efface. C'est quoi? Je vais augmenter un petit peu ta puissance. Ah, oh, mais non, il s'est rendu sans condition à Horde Teutonique, du coup je peux plus faire de paix séparée. Ah, c'est dommage. Moins 1000. Ouais. Bon bah tant pis. Du coup, on va faire comme ça. Ça me semble pas mal. Je vais te filer 1, 2, 3, 4 provinces, on va se partager 920 balles et je vais reconquérir un max pour la grande horde que je vais du coup pouvoir intégrer. Parfait. Excellent. Et comme ça tu touches l'Oirat. Grâce à la grande horde. Oui, mais je vais surtout convertir la petite province que j'ai prise tout à l'est de la Moscovie, qui fait partie du territoire de Jure de Kazan, qui a des gros casus belli de reconquête. Hop, alors moi je retourne mettre mes troupes un peu ailleurs. Tu peux enlever Shelming, la pose, le signe noir. C'est des séparatistes kazakhs chez le Ming, c'est bien ça. C'est bon ça. Ah, ça va tout changer. Alors, demandez la paix. Voilà, maintenant il veut bien. Alors avant d'intégrer la grande horde, on va envoyer... la dose de missionnaire. Elle-même comment? Elle-même très fort. Elle-même très très fort. Ça peut coûter 801 pour l'intégrer. Et bah c'est parti. Pourquoi Moscovie n'est plus un rival valable. C'est normal. Ming. C'est parti. Et c'est bon. J'ai fini les doctrines religieuses. Bravo à toi. Bien joué. Hop. Du coup, la Moscovie, on va retirer notre embargo. Je peux prendre la France comme rival? Peu, mais ça ne servira à rien. Il y a des chances, ouais. Je vais prendre le Ming qui a moins 46% d'armée. Il a moins 46% d'armée par rapport à moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non, les rebelles kazakhs ont disparu. Il a 91 000 hommes. Moi j'en ai 64, comment est-ce que... J'avoue que le calcul n'a pas l'air évident, ouais. ouais, je trouve ça un la peu... La différence de tech? Peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Quoique, il est tech 12. Ok. Là, je pourrais prendre un moral terrestre plus 5%, on verra ça la prochaine guerre. Pas possible, ça. Bon. C'est pas ça qui va aider ma coalition. On va prendre ça, là, pour baisser un ça, peu. Ça, c'est sûr. Comme à 2, là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire du fric? Ouh, le petit modif de production plus 10% sur le dirigeant là, ça fait plaisir. Des batailles plus 50%.
je gagne pas assez hein, pour faire un don. Ça fait longtemps que j'ai plus augmenté. T'as pas payé les deux dernières guerres. Eh oui, il y avait aucune raison de le faire. T'as pris plus que moi. Moi, j'ai pas eu la moindre province. Moi, c'est moi qui ai eu les armées de la Castille et de l'Aragon à gérer aussi. Oui, et tu les as gérées en fuyant au Maghreb. Mais je pense à toi. Ouais. Non, mais je vois qu'il y a deux types d'alliés. Hein. Oui, t'as dit. Bah, les alliés qui sont payés et les autres. Tain, mais c'est pas un allié, c'est un mercenaire l'autre, là, le viking. Séparation des pouvoirs. Ah, du prestige. Bon, si tu veux. Allez, nouveau rival. France, Art Teutonique, Bohème ou Portugal. Vas-y pour la Bohème, c'est plus facile. J'ai hésité, j'aurais dû prendre France, je pense. Juste pour le plaisir de lui tataner la gueule. Bah, sachant qu'il t'a déjà rivalisé. Donc, mon attaque contre le Mamelouk, ça va donner quoi? Banussia, Khorasan, Hormuz, Wadaï. Oh merde, Wadaï, bon, c'est je me calme. Pénible. Je vais me mettre à côté, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Bien, j'ai plus besoin de faire... Bah, du coup, le pape s'est repoussé. Le tribunal, pour l'instant. Et encore plus repoussé. Alors, qui rentre dans cette fichue quoi, là? Un nouveau dirigeant de la croisade. 1-1-2. C'est nul. C'est nul. Regardez des sous. Allez, un protégé du pape. 1-3-4-2. Ah là, ça va être bien, là. Est-ce que quelqu'un veut venir m'aider contre le Mamelouk ou pas? C'est payé 1000 pièces d'or. J'arrive. Ouais, moi, je peux venir, ouais. Ça marche. C'est pas pour tout de suite. C'est pour... dans janvier 53. C'est dans pile poil un an. Ok, parfait. Pas de soucis. Très bien. Portugal, je t'envoie tes 1000 tout de suite. Et juste après, j'enverrai les. Dans 5 mois, j'envoie pour le suivant. Alors, c'est payé 1000 pièces d'or à rembourser si vous venez pas. Hein. Oh, oui, t'inquiète, moi, mettre des baffes. Toi, tu peux pas, toi, moi, je suis excommunié. Tu peux pas être allié. Ah bon, bah, du coup, je vais rester chez moi. Bah oui. Faut d'abord que je fasse péter la coalition et que j'attaque le pape. Après, je pourrais peut-être attaquer la coalition. Hein. Franchement, je pense qu'on peut la défoncer. Ouais, la coalition, elles sont à peine 200 000. Et puis, il y a peut-être moyen d'attaquer la coalition autrement qu'en attaquant le pape. La Perse, ça donne quoi? Bon, ça y est, comment ça se faire du blé. Et la coalition, c'est 50 000 hommes. C'est 100 000 hommes. C'est comme moi, quoi. On est kiff-kiff. C'est pour ça que ça pète pas. Ça va pas péter. Puis si ça pète, paix à leurs âmes. Je gagne plus de sous, c'est terrible. Il gagne plus de sous. Moudaf. Oh, oui. Putain, mais il est où le foyer? Dans quelques minutes, tu vas essayer de me faire croire que je t'ai pas payé les 1000, je te dis, n'essaye pas. Je le sais que je t'ai payé. Bon, tout de suite. Ah, ils ont été investis, hein. J'ai fait mon petit port mondial là, à Tanger. Comment il peut y avoir un foyer de la réforme dans une province que je viens de convertir? Fumier. C'est sympa. Comment on défonce ces trucs déjà? Mince, j'ai oublié que je devais des sous aussi. Bon, je le donnerai plus tard. Pourquoi je perds plus de sous là? Maintenance des armées 60, mais pourquoi je paye 60 de maintenance? J'ai une trop grosse armée. Ah, super. La France, j'ai bien fait de pas la rivaliser, je serais peut-être plus excommunié à ma mort. Quand est-ce que je meurs d'ailleurs? C'est bientôt, j'espère. Bon, Je convertis un foyer de la réforme à 11,5% par mois. C'est un centre religieux à moins 5, rien à foutre. Bah, bravo. Les foyers de la réforme, en général, je les convertis moi en faisant une paix avec eux. J'attends que ce soit leur capitale, je leur laisse plus que ça. Et après, je rattaque et tu demandes juste qu'ils changent de. Bah, en fait, c'était un vassal. J'ai un vassal que j'ai converti de force, donc un OPM, et ça n'a pas supprimé le foyer de la réforme. J'aurais cru. Toi. Parce qu'il n'était pas sur sa capitale. Ah, bah oui, puisque c'est un OPM. Ah, c'est un OPM. Ah, oui. Alors, ouais, quand tu demandes ça supprime pas. C'est que dans le cas d'une paix pour. C'est ça, c'est que quand tu forces à convertir. Donc là, j'ai voulu faire le test et donc ça ne fonctionne pas. Comment tu fais pour le supprimer quand il est chez toi? Tu le convertis. Bah, tu
T'es converti. C'est, faut être bon. Et s'il est déjà plus converti talent. C'est la merde. Bah en fait, il a dû popper juste après. Je pense que ouais, il a dû popper après, ouais. Vas-y, vas-y, fais ton avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vue du Sing, la vue d'Ardarine sur toutes nos chaînes. Vous avez des liens dans la description, dans les descriptions d'ailleurs. Et nous, on se retrouve juste après le générique avec Bodaf pour débriefer tout ça et voir comment ça se passe chez lui. A plus tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.